Salut tout le monde, et ben enfin une petite vidéo chiante sur les quoi, les arpèges, comme d'habitude. Depuis un certain temps maintenant, on parle des arpèges, que ce soit sur les lives bassistiques qui ont lieu tous les dimanches vers 19h, pour ceux qui sont pas encore au courant, abonnez-vous. Et puis sur les dernières vidéos, là on a évoqué la construction des arpèges, et on a pris un exemple sur un arpège mineur. Sur les lives précédents, dans les replays, j'évoque aussi les arpèges, ces histoires d'arpèges, hyper important pour comprendre le fonctionnement des accords et pouvoir créer des lignes de basse à partir de ces accords-là. Qu'ils soient majeurs, mineurs, septièmes, diminués, voilà, il faut connaître ces arpèges sur la base. Donc si vous n'avez aucune notion d'arpège, là, pendant que vous regardez cette vidéo, je vous conseille d'aller faire un tour sur les vidéos précédentes et vous devriez trouver quelques infos et aussi d'aller récupérer des feuilles de cours gratuites sur mon site bassistique.com. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va plutôt faire un exercice concret de travail des arpèges. Donc pour ceux qui me demandent comment travailler ces arpèges, on va être très pragmatique. Là, je vous propose un playback sur un standard de jazz, Autumn Leaves. Et l'idée, c'est de plaquer nos arpèges sur chaque accord qui passe. Tonique, tierce, quinte, septième. On place ces quatre notes sur quatre temps par mesure. C'est tout bête, le tempo est super lent. Et là, dans ce premier exo, il y a un doigté précis par accord, quoi. Voilà, vous venez de voir dans ce premier exercice que j'ai choisi un mécanisme, un doigté main gauche précis par type d'accord. Pour le La mineur, j'ai fait un départ index et j'ai déclenché mon mécanisme. Pour le Ré 7e ou le Ré 9, selon ce qui est écrit sur la partition, j'ai déclenché un départ majeur et son mécanisme d'accord 7e. Départ majeur pour les accords majeurs, le sol majeur et le do majeur. Un départ index pour l'accord diminué, le fa dièse diminué. À nouveau un départ majeur pour le si 7. Et un départ en corde à vide pour le mi mineur. Le deuxième exercice est de continuer à plaquer les arpèges dans le même ordre. Tonique, tierce, quinte, septième. Mais cette fois de changer de doigté et donc d'aller chercher les notes ailleurs sur le manche. Je vous rappelle que cet exercice est non seulement pour identifier donc chaque accord qu'on va vous proposer dans un morceau, mais aussi pour commencer à retrouver les mêmes notes, mais à différents endroits du manche. Thank you.
vous avez vu que dans ce deuxième exercice, j'ai modifié ma main gauche. J'ai modifié certains mécanismes selon les accords que j'ai eu à jouer. Alors, vous avez vu, je n'ai pas modifié tous les mécanismes de tous les accords, seulement celui qui concerne le La mineur et celui qui concerne le Ré mineur. Pour le La mineur, au lieu de jouer départ index et de déclencher mon La mineur comme ça, j'ai fait un départ petit doigt et j'ai retrouvé les notes La, Do, Mi, Sol, mais ici, La, Do, Mi, Sol. Okay. Pour le Ré 7, j'ai pas fait un départ majeur cette fois avec les notes Ré, Fa dièse, Sol, Do, mais j'ai fait aussi un départ petit doigt avec Ré, Fa dièse, je vous ai dit Sol, non c'est un La, Ré, Fa dièse, La, pardon, Do. Là cette fois j'ai fait Ré, Fa dièse, La. C'est le même La hein, qu'ici. Mais voilà, le but c'est de le jouer ailleurs. Ré, Fa dièse, La, Do. Donc du coup, ça me donne d'autres options. Et en fait, ce qui est pas mal, je trouve, dans ce changement de mécanisme, c'est que finalement, ça me fait jouer la grille d'Autumn Leaves, la partie A, hein, pardon, d'Autumn Leaves, dans les 5 premières cases. Donc vraiment, je me concentre sur le fait de bien connaître mes notes dans les 5 premières cases. La, petit doigt, Do, Mi, Sol. Et le Ré 7, petit doigt encore, Ré, Fa dièse, La, Do. J'ai gardé le même pour le Sol majeur, le même mécanisme, parce que ça tombait sous les doigts. Hein. Le Do, pareil, ça tombait sous les doigts. Le Fa dièse, ça tombait sous les doigts. Sur le deuxième tour, j'ai joué encore un autre mécanisme sur le Ré 7. Le La mineur, je l'ai gardé sous le petit doigt. Le La, le Do, le Mi et le Sol. Pour le Ré 7, je vous rappelle le nom des notes, le Ré, le Fa dièse, le La et le Do, je me suis amusé à changer, à chercher un autre mécanisme pour jouer toujours les mêmes notes, dans le même ordre, Ré, Fa dièse, La, Do, et j'ai fait ça, toujours le départ petit doigt, Ré, mais cette fois le Fa dièse, boum, je suis allé chercher ici, deuxième case, corde de Mi, Ré, Fa dièse, le La, je suis allé prendre un La grave, j'aurais pu prendre la corde à vide, Ré, Fa dièse, La, ou alors Ré, Fa dièse, La, et le Do, je l'ai pris ici. Donc ce qui est cool avec cette recherche de mécanismes pour chaque accord, c'est que je multiplie les options finalement. Un Ré 7 pour moi, dans cette zone, c'est Ré, Fa dièse, La, Do, ou alors Ré, Fa dièse, La, Do, ou alors Ré, Fa dièse, La, Do, ou alors Ré, corde à vide, Fa dièse, La, Do, ou alors Ré, corde à vide, Fa dièse, La, corde à vide, Do. Vous voyez, le truc, c'est de chercher un maximum de possibilités pour jouer ces arpèges-là, quoi. Les 4 mêmes notes, dans le même ordre, mais avec le plus de manières possibles. N'hésitez pas à faire ce travail-là, un travail concret de réagir, que votre main gauche réagisse de plus en plus vite sur les accords que vous pouvez lire sur une grille ou que votre pote guitariste ou pianiste peut vous donner pendant une répé. Tiens, fais-moi un truc sur un La mineur. Ouais, alors La mineur, La. Et après, bah, si vous connaissez l'arpège ici. Voilà, ici. Bah, par exemple, hein, si vous avez fait ce travail de recherche des mécanismes, un La mineur 7, La, Do, Mi, Sol, je continue, il me reste une corde, La, Do, pas mal, ou alors La, Do, Mi, Sol, et ouais, La, Do, corde de Mi, Sol grave, ou alors La, Do ici, Mi, Sol, tiens, il me reste encore de la place, pourquoi pas, je continue, La, Do, Mi, soyons fous, Sol. Voilà. Et là, bah, j'ai la palette.
obligé de faire du jazz. Hein. N'oubliez pas que le jazz, c'est juste un support, quoi, pour bosser les arpèges. Voilà, donc cette fois, cette vidéo est bien terminée. Donc, n'hésitez pas à la partager, à commenter, comme disent tous les youtubeurs de la Terre. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche si vous voulez savoir quand une vidéo sort ou quand un live démarre. Le dimanche à 19h généralement. Et d'ici là, à la prochaine. Ciao.